Moi, quand j'ai fait le premier Ducrot, ils panissent, je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit, je ne sais pas combien de marches on a fait, ils m'ont mis une belle chèque, hop, on s'arrête là. Ils me disent pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut s'arrêter. Il n'y avait que de l'herbe et des feuilles. Ils ont dit, mais c'est un cataplasme celui-là. Mais quand ils m'ont entendu dire Ducrot, mais pourquoi j'irais me fatiguer? Moi, pour mes côtelettes, je ne vais pas chercher mes herbes là-haut. C'est Ducrot qui me les ramasse. Et ces herbes Ducrot, c'est des herbes de Provence. C'est vrai. Alors, pourquoi j'irais me fatiguer? C'est Ducrot qui me les ramasse. Oh, bonne mère! Ça a un impact. Ils n'ont pas refait. Ça a beaucoup marché. Hein. Terrible. Je m'appelle Jean Panis. Eh oui, Panis comme le célèbre voilier Maître Panis de la trilogie. Eh oui, la trilogie de Marcel Pagnol. Et si un jour je tournais avec lui, oh pauvre, ça serait incroyable. Je suis né le 17 mars 1928. Oh pauvre, ça fait bon, hein, quand même. Je suis né à l'hôpital de la Conception. Mais j'ai été conçu au Grand Domaine, au 49 quai de Rive-Neuve. Ah, le Grand Domaine, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un endroit spécial, placé au bout du quai de Rive-Neuve. Oh, le quai de Rive-Neuve, là où j'ai passé le plus de temps de ma longue vie. Au Grand Domaine, nous étions plusieurs familles réparties sur 6 étages, avec une grande cage d'escalier intérieure, où se croisaient des familles souvent originaires d'Italie, mais aussi de tous horizons. Les enfants couraient dans les escaliers et les mamans criaient « Oh Bino, fais attention de ne pas tomber !» Les femmes rigolaient entre elles en faisant leur travail de mère, pendant que les maris travaillaient ou cherchaient du travail au bar, comme au bar des pêcheurs, où j'ai passé là aussi beaucoup de temps. Nous étions une famille de 4, ma mère Marie-Louise, mon père Alexandre, ma sœur Josette et moi. Nous avions perdu mon frère aîné, mort à l'âge de 3 ans, et ma mère ne s'est jamais remise de cette disparition. À mes 3 ans, je suis allé à l'école communale, au 9 rue Candolle. Je l'ai quitté à l'âge de 9 ans. Eh oui, ouais, l'école, c'était pas trop pour moi. Ça me fatiguait les cervelles, et moi, mes cervelles, je les ai gardées toutes blanches toute ma vie. Complètement pas usées, mes cervelles. Comme neuves. Ma mère et ma sœur tenaient un banc de poisson à l'angle de la rue de la République et de la rue Fauché. Elles vendaient du poisson et des coquillages à une très belle clientèle bourgeoise qui vivait dans la rue chic de la République. Mon père, lui, travaillait comme charpentier manœuvre chez Madame Blanc à Saint-Victor. Mes parents étaient pauvres, mais nous étions heureux. Et ils me faisaient toujours confiance dans ma vie. Après l'école, vers mes 14 ans, j'ai travaillé sur le quai de Rive-Neuve chez Madame et Monsieur Coleman. Je livrais du vin avec une charrette que je tirais à la main pour livrer chez les clients. Parfois, je rentrais avec un manque à livrer. J'avais cassé plusieurs bouteilles sur la route. Enfin, ça c'est ce que je racontais au patron, parce que, crois-moi mon collègue, les bouteilles de vin étaient en bon état et pas perdues pour tout le monde. Enfin bref, c'était pas méchant quoi. Au milieu de ma jeunesse, dans le quartier du 7e arrondissement, j'ai joué au football, longtemps, hein, au club Rive-Neuve Sport. J'étais grand et adroit à ce sport et à bien d'autres choses. À 20 ans, je suis parti au régiment pour 18 mois, dans le 45e de transmission à Marseille. Puis en Algérie, à Alger. Quand je suis rentré, j'ai repris mes habitudes dans mon quartier du 7e. Ouais, je fréquentais les bars, je jouais aux cartes, je traînais sur les quais avec mes amis. Et nous cherchions l'aventure, enfin, la vie, quoi. Et mon premier film était un concours de circonstances. À l'époque, j'allais souvent au bar du Carénage, et un jour, c'était un samedi, ouais, le grand acteur et réalisateur Georges Péclé se trouve devant le bar pour tourner une scène d'un film. Moi, avec les jeunes, depuis l'intérieur du bar, je regardais le film, je faire comme ça. Et quand je suis sorti du bar pour partir, je ne sais pas si je lui ai tapé dans l'œil, mais Georges Péclé m'appelle et me dit « Où tu vas, toi ?» Et j'y réponds « Mais qu'est-ce que ça peut te faire, mon collègue? Je ne te connais pas, moi, pourquoi tu me parles ?» Et il me répond qu'il voudrait m'engager dans son film « Les révoltés du Danaï » et qu'une voiture viendrait me chercher le lundi. Et voilà. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'acteur en 1952. Incroyable, non? Je crois que c'est ma silhouette et ma présence qui l'ont attiré vers moi. Tu sais, Minou, la présence au cinéma, c'est très important. Parce que moi, j'ai connu des grands acteurs de théâtre qui étaient très bons, mais qui n'avaient pas de cette présence. Alors j'ai compris que mon physique de grand costaud allait me suivre dans mon métier. Après avoir tourné dans les révoltés du Danaï, un jour, je suis convoqué au bureau de Marcel Pagnol, rue de la République. Et je ne savais pas encore que j'allais tourner dans Manon des Sources, sous la direction du grand Marcel Pagnol. Et le rôle d'Eliassin allait changer toute ma vie. J'ai payé l'eau, j'ai pas mon eau.
D'un peu, la source ne coule plus, au motif que nous la prenions. Prenez-la où vous voudrez. Et puis toi, ça ne te regarde pas. Tu as beau être conseiller municipal, moi, je n'ai pas voté pour toi. Alors ne te mêle pas dans cette affaire que tu pourrais recevoir un coup de bâton sur la gueule. Oh, oh, oh. Mais non, tu te crois, hein? J'ai des voleurs d'eau, j'ai même un eau, j'ai même un eau. Le tournage a été merveilleux. Tous les grands acteurs de ce film m'aimaient beaucoup. J'avais ce facteur chance de plaire aux gens. C'est vrai, hein, Jacqueline Pagnol, Rélis, Henri Poupon, Fernand Sardou, Charles Blavette et tous les autres ont été vraiment gentils avec moi. Moi qui étais le petit dernier de la bande. Car Marcel Pagnol aimait les bandes d'acteurs et les caractères d'acteurs. Monsieur Pagnol, tu lui disais, ou Marcel? Marcel. Marcel. Ah, il me voyait comme un soleil. Tu le tutoyais aussi, ou tu le vouvoyais? Je vouvoyais, tutoyais, fait. Ah là, les deux. Selon avec qui j'étais. Voilà. Selon les collègues qui étaient. Ouais, qui étaient autour. Voilà. D'accord. Voilà. Eh oui, forcément. Il y avait quand même du respect pour lui, quand même. Bah, énormément, lui, énormément. Énormément. Et lui, il avait du respect pour moi. Oui. Parce que j'étais à droit. Il avait touché des choses naturelles, hein. J'ai eu la chance de tourner avec les plus grands acteurs français. Ben oui, c'est vrai, regardez, en 1953, je tourne avec Fernandel dans Carnaval, dans Riverneuil. Monsieur Bacarel, Monsieur Dardanel attend votre visite, il ne va pas tarder à rentrer. C'est pour la Vespasienne de Cadolive, n'est-ce pas? Exactement. La population manifeste une certaine impatience. Monsieur l'éveillé, qui fait le cocu? Dardanel. On a sonné. Monsieur, le voilà. C'est moi. Monsieur, ma journée est très chargée. Je n'ai pas encore déjeuné, mais je vous recevrai tous cependant. L'année d'après, 54, Port du désir de Edmond Greville avec Jean Gabin, avec qui je tournerai aussi en 56, Le cas du docteur Laurent de Jean-Paul Le Chanois. 1959, je tourne dans Mademoiselle Ange de Geza Ranviani, avec Romy Schneider et Jean-Paul Belmondo. Moi, quand j'ai eu mon premier, ben, j'arrêtais pas de m'évanouir. Tais-toi, tu vas les faire rougir. Regarde-les, ils viennent tout juste de se marier. Ou alors ils y vont. C'est votre femme ou votre fiancée? Non, c'est mon ange. Son ange. Oui. Comme c'est beau d'être amoureux. Oh, va, tais-toi, tu vois bien qu'on les gêne. 64, ma rencontre avec Louis de Funès dans Le gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud. Je tournerai aussi avec lui deux autres films, Sur un arbre perché de Serge Corbert en 1971 et Un autre gendarme avec les gendarmettes de Jean Giraud, toujours en 1982. 1966, rencontre avec Lino Ventura dans Ne nous fâchons pas de Georges Lautner. 70, je tourne dans Borsalino de Jacques Doré. Rencontre avec deux monuments du cinéma français, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Jean-Paul avec qui je tournerai aussi deux autres films. L'Homme de Rio de Philippe de Broca en 64 et Joyeuse Pâques de Georges Lautner en 1984. Alain, lui, je le retrouve aussi dans un autre film, Le Gitan de José Giovanni en 1975. 1971, je tourne dans Les Assassins de l'Ordre de Marcel Carnet avec le grand Jacques Brel. 79, Ils sont grands ces petits de Joël Santoni avec Catherine Deneuve. 1991, je tourne dans Mérig, dans Riverneuil, avec Claudia Cardinal et Omar Sharif. Quand je me rappelle de tout ça, et il me vient l'émotion. On peut dire que j'en ai fait de belles rencontres dans mon métier, non? Mais bien sûr, dans ma vie aussi. Allez, mes amis, merci. Merci d'être là. D'être là avec moi pour fêter ce vieux bonhomme d'acteur que je suis aujourd'hui. Et rappelez-vous tous que la vie passe comme un éclair et qu'il faut profiter de chaque instant et laisser de côté les petits détails qui sont sans importance.